rester. Et c'est vrai qu'on est un peu sur l'hypocrisie avec la réforme Touraine, parce que la réforme Touraine ne pas avoir mis de mesure d'âge en ayant uniquement une augmentation des annuités, c'est-à-dire 43 annuités progressivement, en fait, on créait des retraités pauvres parce qu'ils partaient avant l'âge légal. Donc, le point commun de ces deux réformes, réforme Touraine et la réforme Borne, c'est de se payer sur le dos des travailleurs. Absolument. Parce que vous dites, il n'y a pas de solution. Vous critiquez la gauche. Il y a une solution. Pourquoi tous les ans, il y a 18 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales simplement sur les retraites que le patronat ne paye pas? Pourquoi? Mais pourquoi ils ne payent pas? Parce que ça nous a permis, monsieur, de créer 1,5 million d'emplois. Vous avez parlé très longtemps. Oui. Alors, nous, tout le monde parle. Juste 30 secondes. Oui, nous, les salariés, on est propres. On paye nos cotisations rubis sur l'ongle. On paye nos impôts rubis sur l'ongle. C'est prélevé sur la fiche de paye. Les seuls qui ne payent pas, c'est les patrons. Et vous voulez encore, comme Touraine, vous voulez encore nous faire payer à nous prendre 2 ans de notre vie? Et vous osez dire avec votre ministre que c'est les petits qui trinquent? Oui, avec vous, c'est les petits qui trinquent. C'est toujours ceux qui triment qui trinquent. Et bien ça, il y en a marre. Et vous allez avoir le retour de votre monnaie à partir du 7 mars. 1,5 million d'emplois créés grâce aux baisses de cotisations, monsieur. Le 10, il y aura une grève générale dans ce pays et que vous allez manger votre chapeau. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Il faut qu'on se défende. Il y en a marre. On n'arrive pas à finir nos fins de mois. On n'arrive pas à payer nos retraites parce qu'on a des salaires qui sont bloqués. On travaille dans des... C'est quoi le rapport avec la retraite, monsieur? Mais parce qu'il y a tout, il y a tout. Alors, et c'est un autre sujet, et je suis d'accord avec vous. C'est le même sujet. Et vous allez voir que dans la rue, monsieur, les travailleurs, vous mélangez tout, tout sur la table. On voit bien dans votre attitude, vous mettez tout sur la table, effectivement, pour essayer d'attiser les haines et d'attiser les rancœurs. Aujourd'hui, on est dans un système qu'on veut...